La villa Valmarana à Vicence est une villa du XVIIIe siècle. Connue pour son architecture et ses fresques très admirées, elle tient son nom de la famille Valmarana. Elle se compose de trois bâtiments. La Palladina, lieu de résidence des propriétaires actuels. La Foresteria, lieu de résidence pour les hôtes. Et la Scuderia, les écuries. On trouve aussi un grand jardin à l'italienne, avec un colombier, un puits ornementé, une allée entourée de charmes et une pagode dans des bois. L'architecte des écuries et de la partie eau louable, la Foresteria, est Francisco Muttoni. Les fresques des deux lieux de résidence ont été réalisées par les Tiepolo, engagés par M. Valmarana. Le père a conçu les peintures de la Palladina et le fils celles de la Foresteria. Malgré leur lien de sang, le père et le fils, Tiepolo, peignent des univers très différents. La villa termine son nom par la particule Einani, car 17 nains de pierre ont été retrouvés dans le jardin. Ils ont probablement été sculptés par Uliaco, après s'être inspirés des dessins de Tiepolo. Une légende tourne d'ailleurs autour de ces nains. Elle raconte qu'une princesse naine vivait isolée dans la villa, entourée de nains. Mais un jour, en voyant un beau prince dans le jardin, elle se rendit compte de son handicap et se jeta du haut de la tour. On raconte que les nains furent tellement tristes qu'ils se seraient transformés en pierre pour le reste de leur vie.